Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In our humble adoration, dans notre adoration, we worship you today. Nous t'adorons aujourd'hui. In our humble adoration, dans notre humble adoration. Beloved, can I speak to somebody this evening? Bien-aimé, est-ce que je peux parler à quelqu'un? You know, sometimes, vous savez, parfois, we fail to worship. Nous échouons dans notre adoration. We fail to praise. Nous échouons dans notre façon we de louer. To thank him. Nous échouons dans notre façon de le remercier. Because we don't take time to see. Parce que nous ne cherchons pas, nous ne prenons pas le temps de le chercher. What the Lord has done. De chercher ce que le we Seigneur fall a fait. Short. We are getting, we fall short. Nous n'avons pas assez de mots. In our worship. Dans notre adoration. In our praise. Dans notre louange. Because we just go like headless chicken. Parce que nous allons seulement comme des poulets. Take time and sit. Prends le temps et assieds-toi. And see what he has done. Et vois ce qu'il a and fait. And you will have something to worship et him. Tu auras une raison pour l'adorer. Alléluia. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Are you getting it? Est-ce que vous comprenez? Are you getting it? Est-ce que vous comprenez? I just want to share a small testimony. J'aimerais juste partager un petit témoignage. Sometimes God answers your prayer, but you don't even know that God has answered. Parfois le Seigneur vous répond à vos prières, mais vous ne savez même pas qui vous a répondu. And you think it's you. Et vous pensez que c'est vous-même. Some of you will remember. Certains d'entre vous allez vous rappeler. That sometime 2 months ago. Qu'il y a 2 mois. I couldn't do the voice messages that I sent. Je ne pouvais plus faire les exhortations matinales. I think for 2 weeks. Je pense que pendant 2 semaines. And I sent the message of apologies. Et j'ai envoyé un message pour m'excuser. Maybe in the church group it was easy because I could do it just as a voice message. Peut-être dans l'église, dans le groupe de l'église, c'était facile. And some people called me. Et certaines personnes m'ont appelé. Why are you not sending? Pourquoi tu ne nous envoies plus les exhortations matinales? You know, I can humbly say that by now we have reached maybe close to 500 people we are reaching with these things. Je peux dire que nous avons déjà joint 5000 personnes. Lately I was blessed with a good money from the US, from Canada, by the way. Récemment, somebody, j'ai été béni avec un from peu somebody d'argent I don't know. De quelqu'un que je ne connais he pas. He just sent me money. Quelqu'un qui m'a juste envoyé de l'argent. Alléluia. To encourage. Pour m'encourager. So, alors, I had a time a problem with the material that I was using. J'ai eu un problème avec le matériel que j'utilisais. And basically with my phone. Avec mon téléphone. And because that phone is dead. Parce que c'est une ancienne version. I have it for 5 years. Je l'ai depuis 5 ans. And somebody said, Pastor, you are always. Yes, I'm always. Et quelqu'un m'a dit que le pasteur utilise les anciennes façons de faire. That's my way of being. Yeah, c'est ma façon d'être. I'm not fancy in some of the things. Je ne suis pas fantaisiste dans certaines des choses. Then I kept that phone for 5 years. Alors j'ai gardé mon téléphone pour 5 années. But I think 5 years is a lot for that phone. Mais je pense que 5 ans c'est assez pour ce then téléphone. Then I have to update the phone and everything. I have to work for this thing that I'm doing. Et je devais changer de téléphone pour ce que je fais. Then I say I'd rather buy the latest phone so that I can keep it another 4 years. Et je me suis dit que je devrais peut-être acheter un nouveau téléphone pour le garder encore pendant longtemps. And you remember I was teaching you when you pray, you don't ask God for money. Et vous vous rappelez que je vous disais que lorsque vous priez, vous ne demandez pas à Dieu l'argent. You ask God for what you need. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Because if you ask him for money, it looks like money is the only way you can get it. Parce que si vous lui demandez l'argent, c'est comme si l'argent était le seul moyen pour vous God d'avoir cette chose. God can give you the thing without giving you money. Dieu peut vous donner cette chose sans utiliser de l'argent. It can send somebody to offer you the thing you are waiting il peut for. Envoyer quelqu'un pour vous offrir cette chose. But in my case, it was money. Mais dans mon cas, c'était de l'argent. So I prayed. Alors j'ai prié. And I said, Lord, I need a new phone for the work that I'm doing. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau téléphone pour le travail que je fais. And I'm not trying to be fancy. I'm trying to have the best that I need to do what I do. Et je n'essaie pas d'être fantaisiste. J'essaie d'avoir le meilleur pour ce que je fais. And I prayed. Et j'ai prié. That I think is maybe 2 months ago. Et ça s'est passé il y a 2 mois. And I forgot. Et j'ai oublié. Sometimes I will remind him. Quelque temps après je rappelais à Dieu. I said to the Lord when I prayed 2 months ago. Et j'ai dit au Seigneur lorsque je priais il y a 2 mois. Lord, I want an iPhone. Seigneur, je veux un iPhone. But I want an iPhone 13. Mais je veux un iPhone 13. And it should be a Pro Max. Et ça doit être un Pro Max. And I waited. Et j'ai attendu.
And nothing happened. Et rien ne s'est passé. And I remember sending my brother here. I said, go and check if we can have it on installments. Et je me rappelle avoir envoyé l'un de mes frères d'aller voir si nous pouvons l'avoir dans les magasins. Because I don't want to have a contract. I don't want to have a loan for a phone. Parce que je ne veux pas avoir une dette pour un téléphone. The Bible says that the poor borrow, but the rich lends. La Bible dit que le pauvre emprunte, mais le riche donne, prête. So I said, no, I'm not going for these things. You know, when you go for a loan, when you go to borrow money from the bank, lorsque vous allez emprunter de l'argent à la banque, is a modern slavery. C'est comme si vous étiez esclave, mais par la modernité. Back in the days, an esclavagisme moderne. Un esclavagisme moderne. You see, back in the days, they come to your village, they take you by force and they make you a slave. Ils vous prenaient dans vos villages et ils faisaient de vous des esclaves. But today, you go to the bank and you say, I want to be your slave for 20 years. Mais aujourd'hui, vous allez à la banque et vous dites, je veux être ton esclave pour 30 ans. I want to have a bond. Je veux être enchaîné. Then you become a slave of the bank. Et vous devenez un esclave de la banque. They give you a bond. Ils vous donnent des chaînes. You have a bondage between you and the bank. Vous êtes enchaîné. À la banque. And your bonds et vos chaînes will cost you maybe 5,000 rand a month. Vont peut-être vous coûter 5,000 rand par mois. If you want a fancy phone, maybe 1,500 a month. Si vous voulez un téléphone fantaisiste, peut-être 1,500 rand per month. 1,500 par mois. So, if you pay those phone cash, alors si vous achetez ce téléphone cash, you pay 28,000. Vous avez payé 28 000. But if you take it on a bond, mais si vous le prenez you en pay étant close enchaîné, to 75,000 rand. Mais vous payez près de 70 000. I'm tired of being a slave. Je suis fatigué d'être esclave. And I say, Lord, I want the iPhone 13 Pro Max. Et j'ai dit, Seigneur, je veux avoir un iPhone 13 Pro Max. For the work that I do for you. Pour le travail que je fais pour toi. And you know I'm not fancy about phones. Et tu sais que je ne suis pas fantaisiste lorsqu'il s'agit des téléphones. Or whatever it is. Ou quelle que soit la chose. So then I forgot. Alors j'ai oublié. And I was tempted and I said, go and check for me. Et j'étais tenté, j'ai dit, allez-y chercher pour they moi. They checked for me, they said, no, it's going to be this much, you can pay in 6 months. I said, ah, okay. Lorsqu'ils sont allés, ils ont dit, non, c'est ça le prix, vous allez payer pendant 6 mois. But it didn't work. Mais ça n'a pas marché. Then I said, I need to buy it cash. Et j'ai dit, je dois l'acheter avec de l'argent cash. And somebody said, no, I can help you. Et quelqu'un m'a dit, non, je peux t'aider. I went to see a friend who was ready to help me. Je suis allé voir un ami qui était prêt pour m'aider. And he said, go to Incredible, you can get a phone and then I'll pay for you or whatever, you're gonna just pay me as time goes. Il a dit, va Incredible, je vais payer pour toi, tu prends le téléphone et tu vas me rembourser. But based on my new resolution, I was not comfortable. Mais en fonction de mes nouvelles résolutions, je n'étais pas confortable. But still, I went to check. Mais je suis toujours allé chercher. Fortunately for me, heureusement pour moi, they didn't have phones. Ils n'avaient pas le téléphone. I speak to this other friend. J'ai encore parlé à cet autre ami. He's ready to lend me the money. Il est prêt à me prêter de l'argent. So that I buy it cash and then I will pay him later. Afin que j'achète le téléphone cash et je lui paierai après. At the last minute, I said no, I don't want to have debt. À la dernière minute, j'ai dit non, je ne veux pas avoir des dettes. I will wait if this phone have to die, let it die, but I will wait. J'attendrai même si le téléphone doit mourir, j'attendrai. Just 1 week after all these things. Juste une semaine après toutes ces choses. Suddenly. Subitement. I have the whole money. J'ai eu l'argent. Alléluia. Now, until then, I'm not realizing that God has answered my prayer. Jusque-là, je ne réalise pas que le Seigneur a répondu à ma prière. I paid the money cash. The phone is not there, but I paid and they say, you're going to come in 1 week or 2 weeks' time. J'ai déjà payé de l'argent. Le téléphone n'est pas encore arrivé, mais ils m'ont dit, dans 2 semaines, tu l'auras. It's only yesterday after the service that when I was driving home. C'est seulement hier, après le service, lorsque je rentrais à la maison, that God opened my eyes. Que Dieu a ouvert mes yeux. Don't you see that I gave you that thing you asked me for? Ne vois-tu pas que je t'ai donné cette chose pour laquelle tu m'as demandé? Don't you see that I brought it to you? Ne vois-tu pas que je te l'ai emmené? No matter how I brought it to you, peu importe la façon dont je te l'ai emmené, directly or indirectly, directement ou indirectement, but I brought you the money cash at once. Mais je t'ai emmené de l'argent cash.
Then I realized. Alors j'ai réalisé. That why maybe there was no phone at Incredible. Que c'était peut-être pourquoi il n'y avait pas de téléphone Incredible. I was gonna take again a credit. Je devais encore prendre un crédit. That why at the last minute my heart changed. I didn't get the money from my friends. C'est peut-être pourquoi à la dernière minute ma pensée a changé. Je n'ai plus repris de l'argent. Because I was gonna be indebted. Parce que je devais avoir une dette. But maybe I was not gonna pay him cash. Mais peut-être je ne pourrais pas le payer. Maybe I was gonna have problem with paying him. Peut-être je devais avoir des problèmes. Maybe I was gonna have other emergency and say please wait. Je devais avoir d'autres urgences and have problem with somebody. Et avoir des problèmes avec quelqu'un. Alléluia. I want you to be specific when you pray. J'aimerais que vous soyez spécifique lorsque vous priez. I want you to tell God what you want. J'aimerais que vous dites à Dieu ce que vous voulez exactement. And I want you to believe when Et you je pray. Veux que vous croyez lorsque vous priez. And I want you to be patient. Et j'aimerais que vous soyez patient. To be consistent. Consistant. To be persistent. Persistant. To have faith. D'avoir la foi. Until it happens. Jusqu'à ce que ça se passe. I love this scripture. J'aime cette partie des Écritures. The word of God says. La parole de Dieu dit. When God took us out of our captivity. Lorsque Dieu nous a retiré de notre captivité. It was like them that was having a dream. Nous étions comme ceux-là qui rêvaient. They say when they were walking out, it's like it was like a dream. Lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils disaient que c'était comme un rêve. But it was not a dream. Mais ce n'était pas un rêve. I pray. Je prie. That he answers your prayer. Qu'il réponde à vos prières. That you even ask your brother to pinch you if you're not dreaming, if you're still awake. Que vous demandez même encore à votre frère de vous pincer pour voir si vous êtes éveillé. I said, be specific. Je dis, soyez spécifique. You see, James is arrested. Vous voyez quand Jacques est arrêté. And James Et Jacques is beheaded. Décapité. Il est décapité. Alléluia. Then later on, Et plus tard, Peter is also arrested. Pierre aussi est arrêté. Now they realize Maintenant, ils réalisent that Peter also is going to be killed because James was killed. Que Pierre aussi sera tué parce que This time, ce moment-là, they decide to pray. Ils ont décidé de prier. And as they pray, Et quand ils priaient, God sent an angel. Dieu envoyait un ange. And the angel go to the prison. Et l'ange est allé en prison. He unlocked the doors. Il a ouvert les portes. He awakened Peter. Il a réveillé Pierre. And he says, follow me. Et il a dit, suis-moi. And they walk out. Et ils sont marchés. Nobody sees them. Personne Nobody is awake. Personne until they get to the house. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison. Peter knocks. Pierre frappe à la porte. The lady come and the young lady come and sees Peter. La jeune dame ouvre la porte et but think that it must be a dream. Et pense que c'est un rêve. And close the door. Et ferme la porte. And they ask him, who is that? He said, it must be Peter's angel, but I don't think it's Peter. They come and they check, it is Peter. I pray that God answers you, and that day you think you are dreaming, but you are not dreaming. God is visiting you. God is visiting your family. God is visiting your mother. God is visiting your father. God is visiting your house. God is visiting your ministry. God is visiting everything. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Are you ready for the word? Êtes-vous prêt pour la parole? This evening I would like to speak about important keys, few important keys as you are fasting. J'aimerais parler des clés importantes lorsque vous jeûnez. Yesterday we spoke about 12 things you should know about fast. Hier nous avons parlé de 12 choses que vous devez savoir à propos du jeûne. We say that number one, you must be born again. Nous avons dit en premier point que vous devez être né de nouveau. Because to go in a secret place, you must be a person that has access to the secret place. Parce que pour aller au lieu secret, vous devez être une personne qui a accès au lieu secret. And the secret place is a spiritual location. Et le lieu secret est un endroit spirituel. The second thing we said that you need to have targets. Le deuxième point, c'était que vous devez avoir un but. What are you praying for? Vous priez pour quoi exactement? And we're going to talk about it also. Nous avons parlé de ça aussi. The third thing we said, you must have faith as you are fasting. La troisième chose, c'est que vous devez avoir la foi lorsque vous jeûnez. You must have faith in God. Vous devez avoir la foi en Dieu. Faith that God is. Vous devez savoir que Dieu est, avoir la foi que Dieu est. That God exists. Que Dieu existe. That God is a rewarder of those who diligently seek him. Que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent diligemment. Hallelujah. Amen. The fourth thing. La quatrième chose. You need to be focused. Vous devez être concentré. You need to be focused. Vous devez être concentré. But let me go back to faith. Mais retournons à la foi. It takes faith. Il faut de la foi. To sit in a place. Pour s'asseoir à un endroit. To talk to somebody. Pour parler à quelqu'un. That you don't see. Que vous ne voyez that pas. That nobody sees. Que personne ne you voit. You even starve your body. Et vous vous affamez. Hoping that person will see you. En espérant que la personne vous voit. If you don't have faith. Si vous n'avez pas la foi. You can't do that. Vous ne pouvez pas faire ce Number four, I said, be focused. La quatrième chose, j'ai dit que vous devez être concentré. What is being focused? Que c'est être concentré. To be focused is the ability. Être concentré, c'est la capacité. To concentrate. De se concentrer.
all your resources, de concentrer toutes vos ressources, to canalize, de canaliser all your energy, toute votre énergie, into one thing, sur une chose, so that you maximize your results, afin que vous maximisez votre résultat. Tell your neighbor, be focused. Dis à votre voisin, sois concentré. Be focused. Sois concentré. Focus, être concentré, is also for me an acronym. C'est aussi un acronyme pour moi. An acronym. Un acronyme. F-O-C-U-S. Un acronyme. Follow one course until success. Suis un seul but jusqu'à ce que tu réussisses. You follow one thing until you succeed. Tu suis une seule chose jusqu'à ce que tu réussisses. You focus during 21 days until you have your answer. Tu es concentré pendant 21 jours. You follow the course of your fast. Tu es concentré sur le but de ton fast. Until you get results. Jusqu'à ce que tu aies des résultats. We say that do not give yourself to your desire. Nous avons dit que vous ne devez pas vous abandonner à vos plaisirs. Because when you give yourself to your desire, parce que lorsque vous vous abandonnez à vos plaisirs, the flesh will begin to lead you. La chair va commencer à vous diriger. You may stop even fasting. Et vous pouvez arrêter peut-être de jeûner. To follow the craving of the flesh. Poursuivre les désirs de la chair. Hence the Lord said, when you fast, you give yourself to your pleasure. Comme la parole de Dieu dit, lorsque vous jeûnez, vous vous donnez à vos plaisirs. In Isaiah 58, and the Lord doesn't like it. Dans Isaïe 58, et le Seigneur ne l'aime pas. Is it the sixth thing? The fifth. The fifth thing. La cinquième chose. Respect the modalities. Les modalités. I spoke about this thing yesterday, right? J'ai parlé de ces choses hier, n'est-ce pas? I'm just recapitulating quickly. Je suis juste en train de refaire un résumé. Respect the modalities. Respectez les modalités. We fast for 21 days. Nous jeûnons pour 21 jours. Respect it. Vous respectez cela? We don't eat until we close the service. Nous ne mangeons pas jusqu'à ce que nous finissons le service. Respect it. Vous respectez cela. If you're sick, you're on medication, or you struggle, you can have a little something. As those who are coming to us are prescribed. Si vous êtes malade, vous pouvez avoir un petit truc, mais vous venez d'abord demander. It is too hot. It is very hot that some of us are working cannot cope. You can have a sip of water. Pour ceux-là qui travaillent à cause de la chaleur, vous pouvez peut-être avoir un peu d'eau. God didn't say we agree together. Le Seigneur ne l'a pas dit. Nous l'avons. But some of us decide to go just that way. Comme certains ont décidé de le faire juste comme ça. God strengthen you. Que le Seigneur vous fortifie. Number six. Numéro 6. Finish it. Termine. Finish it. Termine ton jeûne. Finish it. Termine ton jeûne. Follow one course until success. Sois concentré. What is a success? What is to be successful? Qu'est-ce que c'est d'être succès? Success. Somebody who succeeds in life. Quelqu'un qui réussit dans la vie. What is succeeding? Qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un qui réussit? Is the ability. C'est la capacité. To start. De commencer quelque chose. And to finish. Et de finir cette chose. What you have decided. Graduation, I mean, registration. Le registrement. Is not equal to graduation. N'est pas égal à la graduation. Many may register. Plusieurs personnes peuvent s'enregistrer. But not everyone graduates at the last year. Mais ce n'est pas tout le monde qui va graduer. When I went for medical school. Parce que je suis allé à l'école médicale. I think we were 1,000 of us in the whole registered students. Je crois que nous étions 1,000 à nous enregistrer. But we finished 500. Mais nous avons fini 500. But it's not the 500 who registered. Ce n'est pas les 500 qui se sont enregistrés. It was the little who succeed, who managed to catch up those who failed, who catch up those who failed, who catch up those who failed. Then the bag was 500. Ce sont ce peu de personnes qui ont réussi au fur et à mesure. Et so finish what you have started. Alors termine ce que tu as commencé. Because it's going to be a waste. Parce que ce serait dommage. Number 7, sanctify yourself. Numéro 7, sanctifiez-vous. Live a life of sanctification. Vivez une vie de sanctification. Repent from sin. Repentez-vous. Change. Changez. Abandon your sin. Abandonnez vos péchés. This is a good time. C'est le bon moment. For you to bring change. Pour changer. Number 8. Numéro 8. Live in love. Vis dans l'amour. Before and after fast. Avant et après le jeûne. Live in love. Vis dans l'amour. Before and after fast. Avant et après le jeûne. They asked the Lord Jesus. Ils ont demandé au Seigneur Jésus. What is the greatest commandment? Quel est le plus grand commandement? And he said. Et il a dit. Vertical love, horizontal love. L'amour vertical et l'amour horizontal. Love your God. Aime ton Dieu. And love. Et aime your neighbor. Ton prochain. In that. En cela. The law and the prophets. La loi du prophète. Are summarized. Les lois et les prophètes sont en résumé. Everything you know. Toutes ces choses que vous connaissez. Is by love. C'est par l'amour. Alléluia. Walk by love. Marchez en amour. Walk in love. Marche dans l'amour.
Oui, je veux marcher dans ton amour, car triomphe du jugement, triomphe, triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. You see, walk in love. Marcher dans l'amour. Walk in forgiveness. Marcher dans la, dans le pardon. How do you want God to forgive you if you do not forgive? Comment est-ce que vous voulez que Dieu vous pardonne si vous ne pardonnez pas? Alléluia. Amen. Walk in love. Marcher dans l'amour. Fast is about charity, it's about hospitality, it's about love. Le jeûne veut dire aussi être dans la charité, l'amour et l'hospitalité. When you read Isaiah 58, God speaks mostly about taking care of others as you fast. Lorsque vous lisez Isaïe 58, Dieu parle généralement de prendre soin des autres lorsque vous jeûnez. To do what is right. De faire ce qui est bien. Fast. Le jeûne. Is like you look at something. C'est comme si vous regardez à quelque you chose. You look at a situation. Vous regardez à une situation. And you say this is not right. Et vous dites ça ce n'est pas bon. This must change. Ça doit changer. The reason why they fasted, la raison pour laquelle ils ont what jeûné, they saw was not right. Parce que ce qu'ils ont vu n'était and pas juste. And they said, let's fast that we change what is not et right. Et ils ont dit, jeûnons afin que nous changeons ce and qui God n'est pas said, bien. Yes, I will change it. Et Dieu a dit, oui, je changerai but cela. But let's start with you. Mais commençons avec vous. Let's change you first. Commençons à vous changer because d'abord. You are not right. Parce que vous n'êtes pas juste. You are fasting as if you did right. Vous jeûnez comme si vous étiez but juste. I don't take pleasure the way you do. Mais je ne prends pas plaisir this à la façon is what dont vous is jeûnez. Right. C'est comme ça que vous do devez what is right. Faites ce qui est take juste. Care of the poor. Prends soin des pauvres. Cover the naked. Couvre ceux qui sont feed nus. The hungry. Feed the hungry. Donne à manger à ceux qui ont faim. Give a roof to the homeless. Donne un toit à ceux qui n'ont pas de do maison. These good things. Faites ces choses. Break the yoke of bondage. Brisez the yoke of bondage. Les liens du, les liens. Brisez les liens de servitude. Then alors, you will see what I will do. Vous verrez ce que je ferai pour love. L'amour. You can't fast and not be a person of love. Vous ne pouvez pas jeûner et ne pas être une personne having d'amour. Having hatred for people. Avoir de you hate people. Avoir de la haine pour les autres. There are people in the church that you don't talk to, you will never talk to. Personne dans l'église à qui vous ne parlez pas et vous ne parlerez jamais. You talk to them only in the church. Vous leur parlez seulement dans l'église. But you don't like them. Mais vous ne les aimez pas. And you say you have love. Et vous dites que vous avez l'amour. Wow. 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 Tell your neighbor wow. Dites à votre voisin wow. So you are an hypocrite. Alors vous êtes un hypocrite. You talk to somebody only because you are in church. Vous parlez à quelqu'un seulement parce que vous êtes à l'église. You put on yourself the church face. Vous mettez votre visage de l'église. But when you go out, you take it off. Mais lorsque vous sortez, vous la retirez. I know there are some of you who don't talk to some others. Je sais qu'il y a des gens parmi vous, vous ne vous parlez pas entre vous. I see it. Je le vois. I know it. Je le sais. Small wars, small groups. Des petits groupes. Small wars, des petits troupeaux, des petites guerres, des petites guerres. Alléluia. How can we come and seek the Lord this way? Est-ce que vous pouvez venir chercher le Seigneur de cette façon? He will not listen to you. Il ne va pas vous écouter. He will not listen to me. Il ne m'écoutera pas. He listens to others. Il va écouter d'autres personnes. That means as church we cannot face God. Ça veut dire que comme une église nous ne pouvons pas nous tenir debout devant Dieu. So you need to work on yourself. Alors vous devez changer. So number 9. Numéro 9. We said nous avons dit you must discipline your mouth que vous devez discipliner votre bouche before and after fast. Avant et après le jeûne. So the fast alors le jeûne is an opportunity for you to begin to discipline your mouth. C'est une opportunité pour vous pour discipliner votre bouche. You must stop the kitchen gossip, the church gossip, the street gossip, the everything gossip. Vous devez arrêter les commérages. You de want to know everything about everyone. Vous voulez connaître tout sur tout le monde. Something happened in the church, you want to see what has happened. Quelque chose s'est passé dans l'église, it vous voulez is voir not, ce qui s'est passé. It is not your shelf. It is not your department. It is not your place. Ce what n'est pas do, votre what do you want to know? Ce n'est pas votre place. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Because when you want to know, you will be filled with things that you want to tell other people. Parce que lorsque vous voulez savoir, vous serez rempli de ce que vous allez dire aux autres. If something happened in the intercession, leave it to the intercession. Si quelque chose s'est passé avec les intercesseurs, laissez ça aux intercesseurs. If something happened in the media, leave it in the media. Si quelque chose s'est passé avec les médias, laissez ça avec les médias. Don't be a tale bearer. Ne soyez pas un colporteur. Because you don't know the impact of what you say on the long term. Parce que vous ne connaissez pas l'impact de ce que vous dites. Sometimes even when they bring things to you, refuse. Parfois même lorsqu'ils vous amènent des commérages, refusez. So don't tell me. Refusez. If you don't change, you will not change. Si vous ne changez pas, vous n'allez pas changer. And there is an impartation for you to change. Et il y a un transfert pour que vous changiez. And if you don't take that impartation, et si vous ne
Prenez pas cette transmission. It's gonna be maybe hard for you to do it later. Ce sera peut-être difficile pour vous de le faire plus tard. The word of God says, la parole de Dieu dit, obedience is better than sacrifice. L'obéissance est mieux que le sacrifice. You see, when King Saul disobeyed God, vous voyez que le roi Saül a désobéi Dieu. God rejected him. Dieu l'a rejeté. God said, I would have established your kingdom forever. Il a dit que j'aurais pu établir ton royaume pour look toujours. At what you have done. Regarde ce que tu as fait. God rejected him. Dieu l'a rejeté. Now he tried by sacrifice to get it back. Et il a essayé avec des sacrifices de reprendre cela. You will never get by sacrifice what you lost by disobedience. Vous ne retrouverez jamais par des sacrifices ce que vous avez perdu par la désobéissance. You will get only by obedience. Vous le prendrez en retour seulement par l'obéissance. Why do you want to suffer with sacrifice when you obey already something better? Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du temps avec des sacrifices lorsque control your mouth, control your mouth. Contrôlez votre bouche. Number 9, fast with joy. Numéro 10, jeûner avec la joie. Thank you. Number 10, fast with joy. Numéro 10, jeûner avec la fast joie. Fast with joy. Jeûner avec with la joie. With joy. Avec la joie. Be joyful. Soyez joyeux. Be joyful. Soyez joyeux. Be joyful. Soyez joyeux. And be discreet. Number 11. Et numéro 11, soyez discret. Alléluia. Amen. So now I think you guys lost me. I gave you 12. You saw, so you confused me. Alors but I gave you 12. Be discreet. Donner. Don't go and tell everybody we are fasting soyez in our discret. Church. N'allez pas dire à tout le monde, nous sommes en train de jeûner. I was jokingly the people that I drove yesterday in the car. J'étais en train de dire aux personnes que j'ai conduit hier dans la voiture. I saw back in the days 2011, 20 something. I saw this man of en God. En 2011, je voyais cet homme de Dieu. He went in the Congo. He went in the bush for fasting. Il est allé jeûner with few church members. Avec quelques membres de son église. And he conducted an interview while fasting in the bush. Et il avait une interview pendant qu'il était en train de jeûner. Where is the secret place now? Où est le lieu secret maintenant? No, we are here. We are fasting. Non, nous sommes ici, we are fasting jeûnons. For the country. So the whole country knows that you are fasting. You have gotten your reward already openly. The whole Congo knows that you are fasting. That's your reward. Full stop. Nous jeûnons pour le pays. Vous avez déjà eu votre récompense. Tout le Congo sait que vous avez déjà jeûné. Stop posting day 4 of fast. You put that sad face. Day 9 of fast. You do a selfie. Arrêtez that everybody. Everybody knows that your church is fasting and you are fasting. I have lost weight. Fasting day 13. Arrêtez what's de that? Publier des photos en disant jour 4, nous sommes en train de jeûner. We et don't want to know. We don't want to know. We don't want to know. Nous ne voulons pas savoir. Nous ne voulons pas savoir. Fasting is of the secret place. Jesus said so. Jeûner vient du lieu secret. Jésus l'a dit. We want to know. Nous voulons savoir. We want to see. Nous voulons voir. When God is reward you in the public. Lorsque Dieu vous récompense devant tout le monde. So, alors, that means fast can also be your secret weapon. Ça veut dire que le jeûne aussi peut être votre arme secrète. Nobody knows what you does, but everybody just sees your performance. Personne ne voit ce que vous faites, mais tout le monde voit comment vous performez. They just see breakthrough, they see changes, they see transformation, they see healing, they see. Ils voient la guérison, nobody, no one knows. Ils voient les percées, mais personne ne sait. Alléluia. Amen. Let's talk about today. Parlons maintenant d'aujourd'hui. I want to talk about j'aimerais parler important keys des clés importantes when you are fasting. Lorsque vous jeûnez. Alléluia. Amen. You need to know first of all. Vous devez savoir d'abord. That's not a key, I'm just saying. Ce n'est pas une clé, je le dis juste comme ça. When you fast, lorsque vous jeûnez, the word as we say it zoom. Le mot comme nous avons dit c'est zoom. 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 It's not a car starting zoom zoom zoom. Ce n'est no. pas un car qui est en train de démarrer. T S E O U M. C'est zoom. Alléluia. Amen. So zoom means closing your mouth. Zoom veut dire fermer votre bouche. It means you shut down the body. Ça veut dire que vous fermez votre corps. You shut down your physicality. Vous arrêtez votre physicalité. For you to operate in the spirit. Afin que vous opérez dans l'esprit. It means away of the body, loin du corps, but present with the Lord. Avec le Seigneur. It means ça veut dire you enter a moment where you are submitting your body que vous rentrez dans un moment où vous soumettez votre corps to many exercises. À plusieurs exercices. One of them is not eating. Et l'un d'entre eux, c'est de ne pas manger. So that you can release the spirit. Afin que vous puissiez libérer l'esprit. Alléluia.
Amen. So when I read the book of Isaiah, alors lorsque je lis le livre, because we haven't started reading it, right? Pas encore commencé à le lire. We're just laying foundations. Nous avons juste établi des fondations. When I read the book of Isaiah, lorsque je lis le livre d'Ésaïe, the Lord says, le Seigneur dit, this is not the kind of fast that can be heard on high. Ce n'est pas le de jeûne qui peut être écouté dans les hauteurs. So it means there are fasts that can be heard on high. Ça veut dire qu'il y a un genre de jeûne qui peut être écouté dans les hauteurs. So that leads me to a conclusion. Alors ça m'emmène à une conclusion. Fasting, le jeûne, is another way, c'est une autre façon, to be heard on high, d'être entendu dans les hauteurs, to be heard by God. D'être entendu par now Dieu. I need to learn which one pleases him so that I can be heard. Alors maintenant j'ai besoin de savoir lequel de ces jeûnes lui plaît afin que je sois entendu. I pray for the spirit of restoration. Pour l'esprit de la restauration. Restoration of the temple of God. La restauration du temple de Dieu. Restoration of your temple, your life, your body. Votre vie, votre corps. Restoration of the priesthood. La restauration de des the priesthood, la sacrificature, de la sacrificature, and restoration of the priest, et la restauration des prêtres, so des sacrificateurs. There is a temple. Alors il y a un temple. There is a priesthood. Il y a la sacrificature. The priesthood means la sacrificature veut the dire the things that are done in the temple, les choses qui sont faites dans le temple, and the priest, which is the man that does the thing in the temple, et le sacrificateur qui est celui qui fait des choses dans le temple, that God restore the service in the temple, que Dieu restaure le service dans le temple. I'm not talking about the church, I'm talking about you. Je ne parle pas de l'église, mais je parle de vous. You are a priest. Vous êtes un sacrificateur. And you are called into a priesthood like Jesus. Et vous êtes appelé à la sacrificature comme Jésus. Jesus is your high priest. Jésus est votre souverain sacrificateur. Your body is a temple of God. Votre corps est le temple du Seigneur. And you offer to God continuously. Et vous offrez à Dieu continuellement. Praise, worship and thanksgiving. La louange et l'adoration. And physical services. Et des services physiques. So your entire life is a service, is a temple, is many things. Alors toute votre vie est un service. If God can restore you fully, si Dieu peut vous restaurer complètement, you become efficient in the kingdom of God. Vous devenez efficace dans le royaume. You become usable. Vous devenez utilisable. Alléluia. God can use you. Dieu peut vous utiliser. God can send you. Dieu peut vous envoyer. God can deploy you. Vous envoyer. The way soldiers are sent in a special mission somewhere. La façon dont les soldats sont envoyés à des missions spéciales. But when you know how to do it, mais lorsque vous savez comment le faire, you become like a force multiplier. Vous devenez comme une force qui est multipliable. Yes. Lord, restore me. Seigneur. Restore my service. Restore mon service. Restore my prayer. Restore ma prière. Restore my life. Restore ma vie. Restore the way I fast. Restore la façon dont restore je the way I live. Restore la façon dont let je it vis. Be according to the intended way. Que cela soit du the way you intended. Que cela soit de la façon dont tu l'as prescrit. Alléluia. Amen. What is restoration? Qu'est-ce que c'est la restauration? To bring back the normal function of something. Ramener la fonction de quelque chose. My normal function. Ma fonction normale. Is not to be back to the way Adam was functioning. Ce n'est pas d'être à la façon dont Adam était en train de fonctionner. Is to avant. Function like Christ. C'est fonctionner comme Jésus. Because I am created now after the model. I'm a new creature after the model of the last Adam, not the first Adam. Parce que je suis une nouvelle créature après le modèle du deuxième Adam, pas so, le premier so, Adam. So when God restore me, I become closer to Jesus. Alors lorsque Dieu me restaure, je deviens plus proche de Jésus. So let God restore your prayer. Que Dieu restaure votre prière. I was saying that fasting, je disais que le jeûne, is also a way to be heard on high. C'est aussi une façon d'être entendu dans les hauteurs. According to Isaiah 58. En fonction d'Isaïe 58. Because the Lord said to them, it's not the kind of fast that can be heard on high. Parce que Dieu leur a dit, ce n'est pas le genre de jeûne qui peut être entendu dans les hauteurs. We might as well preach the kind of fast that are heard on high. Nous pouvons aussi prêcher le genre de jeûne qui peut être entendu. Because the kind of fast they were having, God said, it's not this kind I hear. Parce que le genre de jeûne qu'ils avaient, Dieu disait non, ce n'est pas cela. So que that je means veux. There is a kind that he hears. Alors ça veut dire qu'il y a un genre de jeûne qu'il entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Can I say something unto somebody puis-je again? Dire quelque chose à quelqu'un encore? You see, fasting. Vous
changes you does not change God. Vous change, ne change pas so Dieu. Don't come to change God. Alors ne venez pas changer come Dieu. To change. Venez changer. Come to be changed. Venez pour être changé. Approach God. Approchez Dieu. Sinlessly. Sorry, sir. Sans péché. Sans péché. Worthily. With confidence. Avec confiance. Fasting. Jeûner. Is a way. C'est une façon to seek de chercher God intervention l'intervention de Dieu in the affairs of men. Dans les affaires des hommes. That's why they were fasting. C'est pour ça qu'ils jeûnaient. Their businesses were not working well. Parce que leur business n'allait pas bien. Things were not going accordingly for them. Les choses ne se passaient pas bien pour eux. And they said, let us pray. Et ils ont dit prions. Let us pray. Prions. Let us pray. Prions. Let us even fast. Jeûnons même. It means let us intensify. Ça veut dire que nous devons intensifier our prayer nos prières by fasting. En jeûnant. You see now fasting vous voyez maintenant jeûner becomes a prayer intensifier. Devient maintenant un becomes a un amplificateur de prière. Bless you. Alléluia. Amen. A prayer amplifier. Un amplificateur de prière. Alléluia. Amen. You see, fast does good things. Vous voyez, le jeûne fait de bonnes Why choses. Why are you not fasting? Pourquoi vous ne jeûnez pas? Alléluia. Amen. The first key I would like to share with La you. Première clé dont j'aimerais parler. In Isaiah 59. Dans Isaïe 59. Verse 1 and 2. Versets 1 et 2. The word of God says, La parole de Dieu dit, I'm not dumb. I'm not dumb. Je ne suis pas une barrière. I'm not deaf. Je ne suis pas sourd. My hands are not short. Ma main n'est pas petite. To intervene. Pour intervenir. But your sin. Mais vos péchés. Your sin. Vos péchés. Your sin. Vos péchés. Your sin. Vos péchés. Your sin is a problem. Vos péchés sont les problèmes. Remember 59 comes after 58. Rappelez-vous que 59 vient après 58. 55, 56, 57, 58, 57, 59. 59. So it's a continuation. Alors c'est une continuité. Anyway, when the Bible was written, there was no chapter. Lorsque la Bible était écrite, de toute façon, il n'y avait pas de chapitre. They put chapters to help you and I to read. Ils ont mis des chapitres pour nous aider nous. So the prophet says, behold, the hand of God is not short. Et le prophète a dit, regarde, la main de l'Éternel n'est pas courte. That he cannot save. Pour sauver. He is not heavy in hearing that he cannot hear. Son oreille n'est pas sourde au point où il ne peut plus vous entendre. But your iniquities Mais vos fautes have separated you vous ont séparé and God. De votre your Dieu. Sins vos péchés has hid his face from you ont caché sa face de vous that he will not hear. Pour qu'il ne vous entende pas. Hallelujah. Amen. The first thing, brothers and sisters, La première chose, frères et sœurs, confess and forsake your sin. Confessez et oubliez vos péchés. Confess and forsake your sin. Confessez et oubliez vos péchés. The word of God says again. La parole de Dieu dit encore. In the book of Proverbs. Dans le livre de Proverbes. Chapter 28 verse 13. 28 13. The Bible says. La Bible dit. That que he that hide and cover his sins celui qui cache ses péchés shall not prosper ne prospérera pas as long as you hide them aussi longtemps que vous les cachez you cover them que vous les couvrez you're an hypocrite vous êtes un hypocrite you will not prosper vous n'allez pas prospérer how can I help you if you give me the wrong information comment est-ce que je pourrais vous aider si vous me donnez la mauvaise information I will help you based on the wrong information but it will not apply to your real situation je vous aiderai en fonction de votre fausse explication but mais ça ne va pas s'appliquer à votre situation but the word says la parole de Dieu the dit, one who confesses celui qui confesse and forsake his sin oublie ses péchés shall have mercy aura la miséricorde shall have mercy aura la miséricorde shall have what aura quoi la mercy Hallelujah. Amen. That is what the word of God says. C'est pour ça que la parole de Dieu dit. So we need to understand. Alors nous devons comprendre. I would like to read again in the book of 1 John. J'aimerais encore lire dans le livre de 1 2, Jean. 2, 8 to 10. 2, 8 à 10. Again, a new commandment I write to you, says the Lord. Encore un commandement est venu à vous. Which is true in Christ. Qui est vrai en Christ. And in you, because darkness is past. Et en vous, parce que les ténèbres sont passées, the true light now shine. La vraie lumière maintenant brille. The one who says that he is in the light, celui qui dit qu'il est dans la lumière, but hates his brother, mais
est son frère. Is in darkness until now. Est dans les ténèbres jusqu'à you claim maintenant. To be in the light. Vous réclamez être dans la lumière. You hate a brother in the church. Mais vous haïssez vos frères et you vos hate sœurs the l'église. Sister in the church. Vous haïssez votre sœur dans l'église. This group doesn't talk to this other one. Ce groupe ne parle pas à cet autre groupe. This sister doesn't talk to that sister. Cette sœur ne parle pas à cette autre. Whether sœur. Offended or not, but she doesn't talk to. Que vous soyez offensé ou pas, vous ne vous parlez this pas. This brother doesn't talk to this other sister. Ce frère ne parle pas à cette autre sœur. And you say you're in the light. Et vous dites que vous êtes dans la lumière. I have a bad news for you. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. You are in darkness. Vous êtes dans les ténèbres. But it is a good news. Mais c'est une bonne nouvelle. So that you can seek light. Afin que vous cherchiez la lumière. Yes, we are fasting. Quand nous jeûnons. Go and see somebody. I was angry at you. Dites à quelqu'un j'étais fâché contre that, toi. That's why I was not talking c'est to you. C'est pour ça que je ne te parlais pas. But I want to clear that thing. Mais j'aimerais effacer cette I chose. I can't stay in darkness for long. Je ne pourrais pas rester dans les ténèbres pour forgive longtemps. Forgive me because I never told you. Oublie, pardonne-moi parce que je ne t'ai jamais dit. And forget it. Et oublie. Hmm. There are people who are holding prisoners in their heart. Il y a des gens qui ont des prisonniers dans leur cœur. A sister in the church. Une sœur dans l'église. A brother in the church. Un frère dans l'église. But is having two or three other brothers as prisoners of their hearts. Mais il y a des gens emprisonnés, deux ou trois frères dans you son cœur. You suffer because instead of progressing, you are just watching the prisoners in your heart. Vous allez souffrir parce qu'au lieu d'avancer, vous regardez seulement les prisonniers. Instead dans votre of cœur. Watching your life, you are watching other people's life, how it's going up or down. That you just die a watcher. Au lieu de regarder votre vie, vous regardez la vie des autres. You become a sentinel. You become a sentinel. Vous devenez un sentinelle, hallelujah. Un gardien. The one that say is in the light but hate his brother is in darkness even until now. Though celui he's in qui Christ. Est dans la qui dit qu'il est dans la lumière woo! Mais il est son frère, il est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. But the one who loves his brother abide in the light. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Hey, brothers in the light. Dans la lumière. Sisters in the light. La sœur dans la lumière. Oh, we want to be brothers and sisters in the light. Nous voulons être frères et sœurs de la lumière. We pretend to have the light, but you don't walk in the light. Nous prétendons avoir la lumière, mais nous ne marchons pas dans la lumière. How can you pretend to have the light, Jesus, but not walking in the light? You're in darkness. Comment est-ce que vous pouvez prétendre avoir Jésus qui est la lumière et marcher dans les ténèbres? How will you pray and fast? Comment est-ce que vous prierez et jeûnez? How will you seek the Lord? Comment est-ce que vous rechercherez le Seigneur? Because sin will put a separation between you and God. Parce que le péché mettra une séparation de vous et Dieu. Sin will put a separation. Le péché mettra une séparation between you entre vous and God. Et Dieu. Between you entre vous and God. Et Dieu. Alléluia. Amen. So you need to understand. Alors vous devez comprendre. Mm. The Lord says in Psalm 66 verse 18. Le Seigneur dit dans Psaume 66 18. I mean David says. David dit je veux dire. If I regard iniquity in my heart. Si je garde l'iniquité dans mon cœur. God Dieu will not ne va pas hear me. M'entendre. Oh. You see now. Vous voyez maintenant. That's why God said this kind of fast cannot be heard on high. C'est pour ça que Dieu dit ce genre de jeûne ne peut pas être entendu dans les hauteurs. Because you are seeking me, you are praying, you are fasting as a people who did not do wrong. Parce que vous jeûnez comme des personnes qui n'ont rien fait de mal. Hey. In French, we say vous avez de l'audace. La Bible en français on dit vous avez de l'audace. You have guts. Vous avez de l'audace. You come as if you did nothing. Vous faites comme si vous n'avez rien but you fait. Know what you did. Mais vous savez ce que vous avez and you fait. Say, Lord, we are fasting, and what is that we are fasting if you don't take notice of us? Et vous dites, Seigneur, nous sommes en train de jeûner. Pourquoi est-ce que nous jeûnons si tu ne nous entends pas? He said, you are fasting and you are calling me as if you were a nation who did not forsake the commandment of his God. Il dit vous jeûnez et vous m'appelez comme si vous étiez une nation qui n'avait pas oublié les prescriptions de son Dieu. So one important key as you are fasting as you are living Christianity, live sinlessly. L'une des choses importantes lorsque vous jeûnez, lorsque vous vivez votre christianité, vivez sans péché. Repent from your sin. Repentez-vous de vos péchés. Abandon your sin. Abandonnez vos péchés. Seek sanctification. Cherchez la sanctification. Then, alors, your fast votre jeûne begin to get somewhere. Commencera à avancer, à arriver quelque part. Confess your sin. Confessez vos péchés and forsake your sin. Et oubliez vos péchés. Confess your sin. Confessez vos péchés and forsake your sin. Oubliez vos péchés. That's the first key. C'est la première des clés. David says. David a dit. If I regard. Si je garde. I regard. I regard. I think is to consider. Si je considère. Hallelujah. Amen.
let me just learn what is the Hebrew for what David says. Laissez-moi juste voir ce, le mot hébreu pour ce que David dit. If I have respect for sin. Si je respecte le péché. There are people who have respect for sin. Il y a des personnes qui respectent le péché. They live in fornication but they fast. Ils vivent dans la fornication mais ils jeûnent. They steal but they fast. Ils volent mais ils jeûnent. They encourage evil but they fast. Ils encouragent le mal mais ils jeûnent. They respect it. Ils respectent. They say it's a culture. Ils disent c'est une culture. It's a brand. C'est une culture. It's how we are. C'est comme ça que nous sommes. Alléluia. Amen. They accept abominations. Ils acceptent l'abomination. They accept to marry Adam and Steve. Ils acceptent de marier Adam et Steve. And they fast. Et ils jeûnent. They respect. Ils respectent. What God calls an abomination. Ce que Dieu appelle l'abomination. Alléluia. Amen. David says. David a dit. If I consider. Si je considère. If I regard. Si je considère. If I give respect. Si je donne du respect. To iniquity in my heart. À l'iniquité dans mon cœur. Now, what is iniquity? Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Iniquity is something that you know that is wrong, which is sin. You're supposed to stop it, but you keep on doing it. L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que c'est mauvais, et au lieu d'arrêter, vous continuez à so le faire. So when you approach God, you know that thing is wrong, but you still do it because God will overlook it. Lorsque vous approchez de Dieu, vous savez que c'est mauvais, mais vous dites, Dieu ne va pas regarder cela. So God will not hear me, says David. Alors Dieu ne m'entendra pas, dit David. So God will not see the person who respects, who considers sin in his heart and seek God. Dieu ne verra pas la personne qui considère le péché et cherche Dieu. The second thing. La deuxième chose. The disposition of your heart. La disposition de vos cœurs. The disposition of your heart. La disposition de the votre cœur. The disposition of your heart. La disposition de votre cœur. Usually your position is the reflection of your heart disposition. Normalement votre position est la disposition de votre cœur. Unless you are acting. À moins que vous êtes en train de jouer un rôle. Unless you are hypocrite. À moins que vous soyez hypocrite. Unless you are pretending. À moins que vous soyez but des prétendeurs. When you see somebody worshiping. Mais lorsque vous voyez quelqu'un adorer. Going on the knees. Qui va sur ses genoux. Having tears. Avoir des larmes. Lifting up hands. Élever ses mains. Lying flat on the floor. En s'allongeant sur le it sol. It is from the heart. Ça vient du cœur. And the heart commands the body. Et le cœur commande to take au a corps. Position that is in harmony with the heart. Pour prendre une position qui est en harmonie avec le cœur. You know, I just discovered something as we were worshiping. Vous savez, j'ai découvert quelque chose lorsque nous étions en train d'adorer. I went on my knees. Je suis allé sur mes genoux. And I began to worship. Et j'ai commencé à adorer Dieu. And I said, Lord. Et j'ai dit, Seigneur. Teach even my body to worship you with the positions that I take. Apprends même à mon corps à t'adorer avec la position que je prends. And suddenly, et subitement, I believe it's the Holy Spirit. Je crois que c'est le Saint-Esprit. He gave me the picture of David. Il m'a donné l'image de David. The Bible doesn't say that David was singing. La Bible ne dit pas que David chantait. He was a singer. Il était un chanteur. He was playing the string instrument. Il jouait de la corde. But the Bible didn't say that. Mais la Bible ne le dit pas. The Bible just said that he almost stripped himself naked in front of the Ark of the Covenant. La Bible a dit qu'il était presque nu devant l'arche. Now the Lord taught me something. Maintenant le Seigneur m'a appris quelque chose. Immediately I remember Pastor Alain came to talk to me and said, "Give me a moment. I was writing." Immédiatement je crois que Pastor Alain est venu me dire quelque chose et dit, "Donne-moi un moment, j'écris." Because it's something that I just incorporated in my book. Parce que c'est quelque chose que je viens d'insérer dans mon livre. The physical act of David. De David. Was the I don't know how I wrote it, I can't find it, but was the outward manifestation of what was happening in his spirit. Était la manifestation de ce qui se passait dans son corps. I don't think you understand. Je ne pense pas que vous m'entendez. Your spirit, votre esprit, receive of the Lord, reçoit du Seigneur, has an impact in your soul, comme un impact dans votre, and dans you votre begin âme. To experience God in a certain level in your heart. Et vous commencez à expérimenter Dieu d'une manière that your body begin to take some positions, et votre corps commence à avoir quelques positions that are in accord with what your heart is experiencing. Qui sont en accord avec ce que votre corps. That's why you see some bow, some lift up their hands. C'est pour ça que vous voyez des gens qui it means when I bow, I'm not physical, I'm spiritual.
spiritual, but the spiritual part of my physicality is that I bow. Ça veut dire que lorsque je m'agenouille, je ne suis pas physique, je suis spirituel. I don't think you understood what I say. Je ne pense pas que vous comprenez ce que je dis. The Lord speaks to Samuel the prophet. Le Seigneur a parlé à Samuel le prophète. He said, "Go and anoint for me a king." Il a dit, vas-y, oint pour moi un roi. Anoint for me Saul. Oint Saül. No. Anoint for me David. Oint pour moi David. And he take his even when he went to anoint Saul, it's the same thing. Et même lorsqu'il allait oindre Saül, c'était la même. He take a flask of oil. Il a pris un petit vase d'huile. And he walked to meet Saul. Et il a marché pour rencontrer Saül. If you don't know what's going on, si vous ne savez pas ce qui se passe, you will probably see an old man. Vous allez voir un homme qui est vieux. With a staff. Avec quelque chose à la main. Maybe with a long beard. Peut-être avec une barbe, une maybe longue with barbe. Dreadlocks. Peut-être avec des dreadlocks. Walking and going somewhere. En marchant pour aller quelque part. You say hi, Madala. Vous direz hi, old man. Salut, vieil homme. And then he will pass. Et il passera. But in his walking, mais lorsqu'il marchait, the man is being spiritual. L'homme est spirituel. Because his body is being doing what his spirit receives as an instruction. Parce que son corps faisait ce que son esprit. But you will only see the physicality of it. Mais vous verrez seulement la partie physique. When somebody bow on the knees under the dictate of the spirit, lorsque quelqu'un s'agenouille sous la dictation de l'esprit, you just see the kneeling, but you don't see the spirit that made him kneeling. Vous voyez seulement comment il se prosterne, mais vous ne voyez pas l'esprit qui a fait qu'il soit prosterné. That's why don't laugh at people's praise and worship. C'est pour ça que vous ne devez pas rire aux gens. The way they move, the way they laugh, the way you don't. I don't know what is making them jerking like that. Tu ne sais pas ce qui fait en sorte qu'ils soient comme ça. Alléluia. Amen. So the disposition of the heart is very important. Alors la disposition de vos cœurs est très importante. I don't know if I'll finish this today. Je ne sais pas si je finirai ça aujourd'hui. The disposition of the heart is very important. Est très important. The word of God says la parole de Dieu dit that if you seek God, si vous cherchez Dieu, with all your heart, avec tout votre cœur, he will let himself be revealed. Il se révélera à vous. Jeremiah 29 verse 13. Jérémie 29. If you seek me, si vous me cherchez, with all your heart, de tout votre cœur, if you seek me, si vous me cherchez, with all your heart, says the Lord, de tout votre cœur, dit l'Éternel. Jeremiah 29 13. Jérémie 29. The word says, le Seigneur dit, and you shall seek of me and find me when you shall search. Vous me chercherez et vous me trouverez. You, when you shall search, lorsque vous me chercherez, when you shall search, lorsque vous me chercherez, when you shall search me with all your heart, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. It doesn't even say seek; it says search. Searching is like you are studying something. Chercher, c'est comme si vous êtes en train d'étudier quelque chose. You make it like the study of your life. C'est comme si c'était l'étude de votre God vie. Become the study of your life. Dieu devient l'étude de votre vie. You are doing a research on God. Vous faites une recherche sur Dieu. Some call it theology, but in this context, I call it godology. Dieu appelle ça la théologie, mais dans ce contexte, je l'appelle ça théologie. I see God. Je cherche Dieu. In my prayer, in my fast, I mean, the, I'm, I dans want to prière, have a PhD jeu, in godology. Je veux avoir un doctorat. Not the papers that men give. Godology, it means I seek him and I found him. I have found him. He found me and we live. That's my godology. Theology veut dire que je l'ai recherché, je l'ai étudié, il m'a trouvé. It means simply that I'm a man of the presence of God. Ça veut simplement dire que je suis un homme de la présence de Dieu. The Lord says. Le Seigneur dit. In Jeremiah 30 verse 21. Dans Jérémie 30:21. Their number shall be of themselves, and the governor shall proceed from the midst of them. I will cause him to draw, and yes, who is this that engage his heart to approach unto me, says the Lord. So still, the Lord says that we must seek him. But the disposition of your heart is the most important as you are fasting. Le Seigneur dit que vous devez le rechercher, mais la disposition de votre cœur est la chose la plus importante lorsque vous jeûnez. In James chapter 5 verse 7, dans Jacques 5, 7, the Bible says in the Amplified Translation, la Bible dit dans la version amplifiée, that the heartfelt continues prayer of the righteous. Que la prière fervente du juste. Qui vient du cœur. Qui vient du cœur. The heartfelt. La prière qui vient du cœur. Continuous. Fervente. You understand? So there is a heart component and a heart involvement. Il y a une implication du cœur. Are you with me? Êtes-vous avec moi?
The Bible says the preparation of the heart is in men. La Bible dit que la préparation du cœur est dans l'homme. And the answer of the tongue is of the Lord. Et la réponse de la langue vient du Seigneur. The preparation of the heart. La préparation du cœur. It is important. Est très important. Your disposition. Votre disposition. As you seek God. Lorsque vous le recherchez. As you seek God. Lorsque vous recherchez Dieu. It is important. C'est très important. That's why. C'est pour ça que. Part of your disposition. Part of your heart disposition. Lorsque nous parlons de votre disposition, de la disposition de vos cœurs. We spoke about love. Nous parlons de l'amour. Because love is of the heart. Parce que l'amour vient du cœur. 1 Samuel 1:15. 1 Samuel 1:15. Anna answers because the man of God said, "Woman, how can you come to the house of God being drunk?" L'homme de Dieu a dit à Anna, comment est-ce que tu peux venir à la maison de l'Éternel en étant alcoolique? And she said, "No, my Lord." Et elle a dit non, Seigneur. I'm a woman of a sorrowful spirit. Je suis une femme qui a une âme en peine. I did not drink. Je n'ai pas bu. I have poured out my soul before God. Je suis venue donner mon âme à Dieu. She was pouring out her soul before God. Elle faisait sortir tout ce qu'il y avait dans son âme à Dieu. It is of the heart. Ça vient du cœur. Can you tell your neighbor it is of the heart? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin ça vient du cœur? You must dispose your heart seeking God answers in these 21 days. Vous devez disposer vos cœurs afin de chercher les réponses de Dieu. Whether you are sleeping, you are eating, you are working, you are talking, you are studying, your heart should always be in tune. Votre cœur doit toujours être branché. Connected. To Lola FM. Au ciel FM. To heaven FM. Au ciel FM. Disposition of the heart. La disposition du cœur. And if you have the disposition of the heart, can I just say something? Puis-je dire quelque chose? Brother, come. Frère, viens s'il te plaît. Now. Maintenant. Karabelo, come. Karabo, come. Karabo, viens s'il te plaît. You see. Vous voyez? I'm talking to him. Je parle à ce frère. Yeah, stay there. Reste là, s'il te plaît. I want him there because there is less relevant than him. Je veux qu'il soit là-bas parce que là-bas c'est plus bas. I'm speaking to an authority. Je parle à une autorité. He's a vice president in a country. Il est le vice-président du and pays. And I'm talking to him. Et je lui parle. You see, if he talked to me. Vous voyez, si Karabo me parle. I won't answer him. Je ne lui répondrai pas. I will keep talking to him. Je parlerai toujours au vice-président. If he continue, et s'il continue, I will shush him. Je vais le faire taire. So that I can talk with respect to afin this person. Que je puisse parler avec respect à cet I homme. Can hear this person. Mais je peux entendre cette when personne. When your heart is disposed to lorsque God, votre cœur est disposé à Dieu, you don't pay much attention to sin. Vous n'avez pas d'attention à donner au and péché. If it keep coming, you shush it because you're busy with most important things. Et lorsque ça continue de venir, vous le faites taire parce que vous êtes plus intéressé avec les choses de Dieu. When your heart is disposed to God, lorsque votre cœur est disposé à it Dieu, it means he has all your attention. Ça veut dire qu'il a toute votre attention. If he has all your attention, s'il a votre attention, the devil have none. Le diable n'a rien du tout. And the normal thing has less. Et les choses normales n'ont que peu de choses. Food has less attention. La nourriture a peu d'attention. Things of your daily living has less attention. Les choses que vous faites pendant la journée ont because peu d'attention. Because God has taken the more of it. Parce que Dieu a pris votre attention. Alléluia. Amen. Yesterday I was blessed. I was watching this man of God on TV. Hier j'étais béni en regardant cet homme de Dieu à la télévision. He said something. Il a dit quelque chose. That blessed me. Qui m'a béni. He said. Il a dit. Let all your money. Que tout votre argent contribue to the work of the kingdom of contribue God. Au travail de à l'avancement royaume, à l'avancement du royaume. Then I immediately began to make a self-assessment. Immédiatement j'ai commencé à m'évaluer. How far have I contributed and my money is contributing to the kingdom of où est-ce que je suis avec mon argent lorsqu'il s'agit de contribuer pour le royaume des cieux? I know some people have problems with money but I don't have. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'argent mais je n'en ai pas. When Israel will move out, lorsqu'Israël sortait, three tribes will be in front. Trois choses devaient être devant. Three tribes, trois tribus. Trois tribus devaient être devant. Judah. Which means praise and worship. Qui veut dire la louange et l'adoration. Issachar. Understanding of time according to how they should walk. And Esther,
Aser. Et Aser. The wealth of la Israel. Richesse d'Israël. The kingdom of God. Le royaume des cieux. Goes with everything. Va avec toute chose. But revelation. Mais la révélation. Praise worship. La louange et l'adoration. And resources. Et les ressources. Are there. Sont là. Hallelujah. Amen. That was just a bracket. C'était juste une parenthèse. So I think, was I reading 1 Samuel? Did I read it? No. So, no, I read it. That's Anna. Hallelujah. So I spoke about the disposition of your heart. Alors je parlais de la disposition de vos cœurs. Somebody is saying, Pastor, since we started fasting, we are not praying yet the way I want to. No, you can do it at home. Quelqu'un a dit, depuis que nous avons commencé à jeûner, est-ce que nous ne devons pas prier? Non, vous le ferez à la nuit. You can do it at night. Vous pouvez le faire pendant la nuit. We must not pray and fast like headless chicken. Nous ne devons pas prier et jeûner comme des poulets sans tête. We must understand what we are doing. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Otherwise, you will fast and pray like last year. Sinon, vous allez prier et jeûner comme l'année there dernière. There must always be a new knowledge, new revelation. Il doit toujours avoir une nouvelle révélation, une nouvelle connaissance. Can I say something to somebody? Puis-je dire quelque chose à quelqu'un? What you know is what has taken you until where you are now. Ce que tu sais, c'est ce qui t'a emmené jusque là où but tu es maintenant. But what will take you there is what you're gonna add now to take you to the next mais level. Mais ce qui t'emmènera à un autre niveau, c'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui. When you get to the next level, lorsque tu arrives à un autre niveau, you don't undo what you knew. Vous ne défaites pas ce que vous connaissez. You don't remove it. Tu ne l'enlèves pas. It's part of your DNA. Ça fait partie de ton ADN. But you add more. Mais tu ajoutes encore to plus. To go further. Pour aller plus loin. I don't know if you get it. Je ne sais pas si vous comprenez cela. You see, what you study at university. Vous voyez ce que vous étudiez à l'université. What you know in S1 leads you to S2. Ce que vous connaissez en première année vous emmène à ce que vous allez connaître. You can't go to S3 until you have something from S2. Vous ne pouvez pas aller en troisième année avant que vous n'ayez quelque chose de la deuxième année. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Knowledge and revelation move you forward every year. La connaissance et la révélation vous fait avancer. We want to pray duly. Nous voulons prier. And properly. Proprement. Number three. Numéro 3. Define your goals. Définis tes buts. Define your goals. Définis tes buts. Why are you fasting? Pourquoi es-tu en train de jeûner? We will see some goals in the book of Isaiah 58. Nous verrons quelques buts dans le livre de Ésaïe 58. But define your goals. Mais définis tes buts. You need to have goals well set. Tu dois avoir des objectifs bien établis. Bien établis. Alléluia. Amen. Goals well set. Des objectifs bien établis. We all have goals. Nous avons tous des objectifs. Define them. Définis-les. Set them up. Définis-les. Then you can fast. Maintenant vous pouvez jeûner. Then you have a direction. Et après, vous aurez une direction. The word of God says in the book of Ezra. La Bible dit dans le livre d'Esdras. The Bible says. La Bible dit. In chapter 8. Is it 8? Chapitre 8. Uh-uh. Non. Let me not lie to you. Let me just make sure what I'm talking about. Oh, yes, Ezra chapter 8. Ezra 8. Verse 21 to verse 23. No, verset 21 à 23. Yes. I'm sorry, I went to Ezekiel. We are in the book of Ezra. Nous sommes dans le livre d'Ezra. The Bible says. La Bible dit. From verse 21. À partir du verset 21. Esdras is saying. Esdras disait. Then I proclaimed a fast. Alors je proclamais un jeûne. I proclaimed a fast there. Je proclamais un jeûne là. At the river of Ahava. Au bord du fleuve Ahava. That we might afflict ourselves before the Lord our God. Que nous puissions nous humilier devant le Seigneur notre Dieu. But why? Mais pourquoi? What is the goal? Quel est le but? He said to seek of him a right way for us. Il a dit pour chercher de lui un bon chemin. I'm sure somebody here is seeking a right way for his life. Je sais que ici en train de chercher une façon de vivre. For his family. Pour sa famille. Regarding business. Lorsque nous parlons du business. Regarding ministry. Lorsque nous parlons du regarding finances. Lorsque nous parlons des finances. Regarding marriage. Lorsque nous parlons du regarding, mariage. Regarding. En parlant. You see, he said we decided to fast. Il a dit nous avons décidé de jeûner. Afflicting ourselves before God. De nous humilier devant to Dieu. To seek of God
a right way for us. Pour lui demander une façon dont nous devons vivre. Not only us, but also our little ones. Pas seulement nous, mais aussi nos tout petits. Not only our little ones, but also our substances. Mais pas seulement nos tout petits, mais nos substances. For us, for our children, and for our money. Pour nous, nos enfants et pour notre argent. Why? Pourquoi? I will tell you why now. Je vous dirai pourquoi. The Bible says, la Bible dit, I was ashamed. J'aurais eu honte. I was ashamed. J'avais honte. To ask the king for his soldiers. De demander au roi ses soldats. I didn't want to ask the king for his soldiers. Je ne voulais pas demander au roi ses soldats. And his horsemen to help us against the enemy. Et son escorte pour nous aider contre l'ennemi. Now, Pastor, what are you talking about? Maintenant, Pasteur, de quoi êtes-vous en train de parler? God has delivered the people from Babylon. Dieu a délivré le peuple. Babylon. The king Cyrus just woke up one morning. He said, "The God of heaven and earth, who gave me power over all the nations of the world, asked me to let you go. And this is the list of what Nebuchadnezzar has taken from your temple." Le roi s'est levé et il a dit, "Le Seigneur m'a ordonné de vous libérer." And he said, "This is the list of what my father took from Israel." Et il a dit, "Ceci est la liste de ce que mon père a pris d'Israël." The things that belong to the temple of your God. Les choses qui appartiennent au peuple de votre Dieu. Take it and go. Prenez cela et partez. Now they have to go. Maintenant, ils devaient partir. But on the way, mais sur le chemin, they are afraid of people who kills, of thieves, who go and, ils sont effrayés, who goes against caravan. Ils sont effrayés des meurtriers, des voleurs, des gens qui vont contre les caravanes. Now, he could ask and the king was going to give him soldiers. Alors, il pouvait demander les soldats et le roi allait lui donner. He said, no, I was ashamed to ask the king. Il a dit, non, j'avais honte de demander au roi. Because we told the king, parce que nous avons dit au roi, the hand of our God is upon us. Que la main de notre Dieu allait nous protéger. And all those who seek him. Et tous ceux qui le recherchent. His power. Sa puissance. His wrath. Sa puissance. Sa colère. Sa colère. Will be against those who forsake him. Serait contre ceux qui l'oublient. So in other words, he told the king. Alors en d'autres termes, il disait au roi. He boasted. Il s'est vanté. Shabak. 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 Tehillah. Tehillah. That our God will take care of que notre us. Dieu va nous protéger. Don't worry, oh my king. Ne t'en fais pas, mon roi. Now he realizes that, hey, we're in danger. Maintenant il réalise qu'ils sont en danger. What do we do? Qu'est-ce que nous ferons? Say we are fasting. Il a dit nous jeûnerons. For the right way of God. Pour la bonne cause. For ourselves. Sur nous. Our children. Nos enfants. And all our wealth. Et toutes nos ressources. As we are traveling in a dangerous way. Quand nous voyageons dans ce lieu dangereux. How many of us pray for the children when they travel for camp, they travel for another city and all these things? How many of us? Combien d'entre nous prions pour nos enfants lorsqu'ils voyagent pour des camps et tout ça? We trust the car because the car is new. Nous faisons confiance new tires, à la voiture. There is ABS, there is airbag, there's all these things. You see, you got another God and forsake the real God. Nous croyons à la voiture parce qu'il y a le airbag, il y a de nouvelles. De nouveaux pneus. They prayed. Ils ont prié. Eux, ils ont prié. He said, so we fasted. Alors, ils ont jeûné. We started seeking our God. Nous étions en train de rechercher notre Dieu. And our God answered us. Et notre Dieu nous a répondu. You see, their heads. Things they were praying for. Vous voyez, ils avaient des raisons pour lesquelles ils priaient. They had things they ils avaient were des choses pour lesquelles ils priaient. They had goals. Ils avaient des objectifs. Proverbs chapter 29 verse 18. Proverbe 18. No. Let's go to Chronicles chapter 20. De Chronique 28. There are three, four, five kings. Il y a 4 à 5 rois. Who decide to go in war against Jehoshaphat? Qui ont décidé d'aller en guerre contre Jehoshaphat? And the Bible says. Et la Bible dit. Jehoshaphat was informed. Jehoshaphat était informé. And he feared. Et il craignait. He was afraid. Il avait peur. And the Bible says he set himself to seek the Lord. La Bible dit qu'il a recherché la face de l'Éternel. 2 Chronicles chapter 20 from 3 to. De Chronique 20, from 3 to à partir du verset 3, 23, à 23. And I'm closing here. Et je finirai ici. So, alors, when Jehoshaphat heard that this king team up together against, lorsque Jehoshaphat
a su qu'il y avait des équipes contre lui, let us fast. Il a dit je non. He set his heart to seek the Lord. Il a décidé de disposer son cœur pour rechercher le Seigneur. I love the words. J'aime le mot. Wow. 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 Did you hear that? Est-ce que vous avez entendu cela? Wow. Wow. He set himself to seek. So immediately he changed the settings. Alors il a changé les paramètres. The way you set your phone to wake you up at 5. La façon dont vous changez vous mettez votre alarme pour vous réveiller à 5 heures. The man set himself. L'homme aussi a changé les paramètres. He went to his mind computer. Chaka, 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 chaka. Il allait dans l'ordinateur de sa pensée. New settings. Nouveaux paramètres. Seek the Lord. Cherche l'Éternel. Hey. If you seek him that way, si vous le cherchez de cette façon, you will find him. Vous le trouverez. You know why? Vous savez pourquoi? I have a promise. J'ai une promesse. Matthew 7:7. Acte 7:7. Seek, you will find. Matthieu 7:7. Cherchez, vous trouverez. Ask, they will give you. Demandez, on vous donnera. And knock, they will open. Et frappez, ils vous ouvriront. Is entitled to be open who knocks. Celui qui frappe à la porte doit rentrer. Is entitled to find he who seeks. Celui qui cherche a la possibilité de trouver. Is entitled to receive he who asks. Celui qui demande est qualifié pour recevoir. Can I speak English? Est-ce que je peux parler anglais? Seeking and finding are tied together. Chercher et rechercher sont liés. Knocking and opening are tied together. Frapper et ouvrir sont reliés. Receiving and asking are tied together. Recevoir et demander sont liés. It means the consequence of seeking is to find. Ça veut dire que la conséquence de pour trouver c'est chercher. The consequence of asking is to receive. La conséquence pour demander c'est recevoir. The consequence of knocking is to be opened. La conséquence lorsque vous frappez à la porte. I don't know how long, but they are connected together. Je ne sais pas comment, mais elles sont connectées. Why are we not seeking? Pourquoi est-ce que nous ne cherchons pas? Why are we not knocking? Pourquoi est-ce que nous ne frappons pas? Why are we pas? Not asking? Pourquoi est-ce que nous ne demandons so pas? So he set himself to seek the Lord. Alors il a disposé son cœur pour chercher le Seigneur. He put a new setting in his mind. Il a mis de nouveaux paramètres like dans you sa pensée. And I must set ourselves in these 21 days to seek the Lord. Donc vous et moi devons changer nos paramètres pour chercher le Seigneur. Then they began to fast. Alors ils ont commencé à jeûner. And God answered them. Et le Seigneur leur a répondu. And God even told them. Et le Seigneur leur a même dit. When you go to the battleground. Lorsque vous allez dans la bataille. When you are aligning your army. Lorsque vous êtes aligné dans votre armée. Usually you put your best soldiers in front, isn't it? Généralement vous mettez les meilleurs soldats devant, n'est-ce pas? God said, put the worship band. Le Seigneur a dit mettez les adorateurs. He said, this battle is not yours, it's mine. Cette bataille n'est pas la vôtre, c'est la mienne. Hey, we may as well preach it also. He said, "Put your worship band." Il a dit, mettez les adorateurs en avant. Because the one who's going to fight is not you, it's me. Parce que celui qui va combattre, ce n'est pas vous, c'est moi. So when they begin to worship, alors quand ils ont commencé à adorer, God set an ambush against the enemy. They kill each other. Le Seigneur a semé la confusion dans le camp des ennemis et ils se sont tués entre eux. The only job Israel had to do, la seule chose qu'Israël devait was faire, was to come and get the riches and go home. C'était prendre les richesses et aller à la maison. That's the only thing they did. C'était la seule chose qu'ils avaient fait. But what happened? Mais qu'est-ce qui s'est passé? God said, worship. Le Seigneur a dit God adorer. Say worship. Adorer. So you just worship. Vous seulement adorez. You just worship. Adorez-moi. You just worship. Adorez-moi. You just worship. Adorez-moi. You just worship. Adorez-moi. As you are worshiping, vous êtes en train d'adorer, I'm fighting. Je suis en train de combattre. Sabaote tango bundaka ngana sepelaka sabaote sabaoto yo tango bundaka ngana yembaka e sabaote. They understood it. Ils ont compris cela. Alleluia. Amen. So they worshipped. Alors ils ont adoré. So set your goal. Ayez vos objectifs. As they were worshiping, quand ils étaient en train d'adorer, as they were fasting, sorry, quand ils étaient en train de jeûner, they were seeking God. Ils cherchaient Dieu. As they were seeking God, quand ils cherchaient they Dieu, had a goal. Ils avaient des they objectifs. Were seeking divine intervention. Ils cherchaient l'intervention divine. They were seeking divine intervention. Ils cherchaient l'intervention divine. As you are fasting, lorsque vous êtes en train you de jeûner, having goals. Vous avez vos objectifs. And what are your goals? Et quels sont vos objectifs? They might have different names. Ils doivent avoir des noms peut-être mine différents. And yours might have different names. Les vôtres et les miens doivent être différents. But
all of them, mais tous, we are seeking divine intervention. Nous cherchons l'intervention. We want God to intervene. Nous voulons que Dieu intervienne. What is intervention? Quoi, l'intervention? Intervention, l'intervention, is the action, c'est l'action, of intentionally become involved in somebody's situation. Intentionnellement de entrer dans la situation de quelqu'un. In order to improve it. Afin de l'améliorer. In Lingala, we say nanko. It means God intentionally enter into your business because he wants to improve it. That is the definition of intervention. Now I want us to send and pray and say, Lord Almighty, teach me how to fast worthily. Teach me how to fast the way I should fast. Can somebody stand and begin to pray? Tango bundaka ngana sepelaka sabahote. Sabahoto yo, tango bundaka, nana yembakae, sabahote.